Les secouristes évacuent les blessés au milieu d'une foule déchaînée. Plus loin sur la falaise, des voitures appartenant au groupe d'amis d'origine maghrébine sont toujours en feu. Les pompiers tentent de maîtriser l'incendie provoqué selon plusieurs témoignages par des villageois de Cisco en réponse à une première agression. Ce seraient des maghrébins et ça c'est, j'ai là eu la confirmation, qui auraient frappé un enfant d'une quinzaine d'années d'ici et qui sont remontés en lui courant derrière et il a été blessé. Légèrement, je suppose, mais enfin blessé à l'arme blanche quand même. Et après, par la suite, les parents et tous les cisquets se sont réunis. J'avais peur pour tout le monde, pour les uns, pour ma population et pour les autres. Les autres, un groupe d'amis venus de Lupino, quartier populaire de Bastia. La rixe aurait éclaté alors que des individus prenaient en photo les femmes du groupe vêtues de burkini. Tension communautaire ou rivalité de quartier. Ce matin, alors que 500 personnes étaient réunies à Bastia pour dénoncer ces violences, plusieurs individus ont menacé de se rendre à Lupino pour des représailles. La gendarmerie a bloqué pendant plusieurs heures l'accès au quartier.